pourquoi avoir choisi ce livre? J'ai choisi ce livre parce que c'est mon professeur de français qui me l'a conseillé, en fait. C'est quoi? Il s'appelle La rencontre de Alan Ecker. Je sais pas comment c'est. C'est l'histoire d'une famille dont le nom est McDonald. Leur cadet Ben se perd dans la campagne et rencontre un blaireau. Ils se lient d'amitié avec lui et vivent ensemble. Il leur arrive plein d'aventures, notamment avec un chien méchant dont le maître a tué le père blaireau. Alors qu'il retrouve sa famille, la bataille avec la propriété. J'ai pensé, en lisant les premières pages, j'ai pensé que je le finirais jusqu'au bout. Ce que j'ai pensé en refermant le livre à la fin, j'ai pensé que c'était un bon livre et que je le relirai quand je serai grand. Et puis j'ai failli pleurer à la fin. Pourquoi? Parce qu'il arrive des événements un petit peu bizarres. Enfin, c'est triste. Ce que j'ai ressenti en lisant certains passages, de la tristesse, mais pas beaucoup d'humour. Ce que j'ai ressenti à la fin, beaucoup de tristesse. Pourquoi je le conseille aux autres? Je le conseille aux autres parce qu'il y a de l'aventure et que j'aime bien cette tristesse. Part, en fait, moi j'ai pas aimé. Je me suis dit que c'était un petit peu nul. Et puis donc, vu que je devais le lire pour l'école, je l'ai continué. Vers le milieu, en fait, c'était pas mal. Mais à la fin, c'était vraiment nul, sérieux. En fait, là, ça raconte pas vraiment tout. Et oui, ça, c'est dommage. Il y a un événement, en fait, ça le dit pas. C'est l'événement le plus... Le plus suspect. Oui, il faut vraiment le savoir, et puis non, ils le disent pas. À la fin, la dernière page, c'est vraiment... Il manque quelque chose.